asleep in midst the trees, bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goosehugs and rays. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher. Et on se dirige vers Skellige grâce à notre petite capitaine. Salut capitaine. Où allons-nous? Qui est le capitaine de ce bateau? Non, sans blague, mais c'est elle. Vous l'avez devant vous. Ouais, on le savait déjà en fait. Ouais, une femme capitaine. Ouais. Et si ça vous choque, je m'entorche le cul. Ah, j'aimerais bien voir ça. Est-ce que vous pouvez m'emmener à Skellige, s'il vous plaît? Alors là, comptez pas sur moi. Comment ça? Vous serez bien payé. Alors là, comptez sur moi. Les mers de Skellige sont infestées de pirates. C'est trop risqué. Mais c'est bon, je les déglingue, les pirates. Vous êtes déjà allé là-bas? Et c'est quoi cette capitaine qui a peur, quoi? Ces mers grouillent de pirates sans foi ni loi. Ils attaquent tous les bateaux et massacrent leurs occupants, surtout s'ils viennent de Nilfgaard. Je les défonce. Ils m'ont abordé une fois, sans doute pour voir si j'avais des couilles. Ils n'ont pas été déçus. Mais ça m'a passé le goût de Skellige, croyez-moi. Ah, et du coup, ils ont vu si t'avais des couilles ou pas? Du coup, elle veut pas. Ok, je suppose qu'il faut aller voir d'autres capitaines. Voilà, puisqu'il y a 3 points. On va aller voir d'autres capitaines. Donc, la gonzesse ne veut pas. On va au pute? Non. Pas le temps. Direction Skellige. Allez, on veut y aller là, bordel. Je suis coincé. Comment? Quel est ce sortilège? Arrêtez d'enquiquiner les... Non, je cherche le capitaine. Vous avez pas vu le capitaine? Capitaine? Toi le capitaine? Je suis occupé. Non. C'est toi le capitaine? Éclat de lune. Je ne pense pas que c'est le capitaine. Du coup, où peut bien être ce capitaine? Voyons. Ah, il est là. Le capitaine Liglad. Celui-là, il a un nom, tiens. Sraphio. Donc à mon avis, c'est lui. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bah, je veux partir, en fait. Je voudrais louer ce bateau. Non, on va pas le louer. On veut aller à Skellige. C'est important. J'ai besoin d'un capitaine. Parce qu'avec les pirates et les escadrons noirs, personne sera assez fou pour vous emmener là-bas. Ah, il faut y aller à la nage, très bien. C'est gentil. Quelqu'un doit bien faire le voyage jusqu'à Skellige de temps en temps, non? Ouais, c'est possible. Ce bâtard de Wolverstone est capable de... Wolverine? C'est un menteur et un voleur qui vendrait père et mère pour un peu d'or, alors pourquoi pas? Et je le trouve où, ce Wolverstone? Ce poivreau passe son temps à picoler à l'esturgeon doré. Demandez la Boutanche, c'est son surnom. La Boutanche, ok. Je sens la grosse blague, hein. Et son nom ressemble vaguement à Boutade, donc je sens la grosse blague. Allez, c'est par là, 98, ça va, c'est relativement proche. Hop, allons à l'esturgeon doré. Poussez-vous, moi je vais tout droit, j'en ai rien à foutre. Donc l'esturgeon doré, c'est ici. Bah, ça va, calme-toi. Y'a personne. Ah si. Ah, capitaine. C'est vous, Wolverstone, le capitaine de l'Atropos. Atropos, capitaine du... Oh, je le sens bien. Peut-être bien. On n'est pas la moindre idée là. T'as un peu trop picolé. On s'en fout du capitaine. Moi, on mettra bientôt le cap sur Art Skellig. Avec du grain dans les cales. Mais... Ouais, je m'en fous en fait. Je veux juste aller à Skellige après vos trafics là, j'en ai rien à foutre. Mille, ça coûte cher. Moi, je les ai, heureusement, mais je suis blindé. Voilà. Grâce à vous, hein, les viewers. Une bourse bien pleine. Comme les miennes. Ouais, bah va te les vider un peu. Vous êtes prêts? Oui, mais. Vous tenez à peine debout. Oh, écoute-moi bien, l'étranger. Le capitaine Wolverstone ne part jamais en mer sans un petit coup dans le nez. Pour pas sentir le roulis. Ouais, bah, tu vas pas tenir debout sur ton bateau s'il y a des vagues. On met les voiles. Bon, bah, allons-y. Allons-y. D'accord, mais avant, levons nos verres au bon vent, à la bonne fortune et à mon Atropos. Et si on trouve des pirates, on les déglingue. Bon, sans ton aide, parce que tu me serviras Allez, à rien, sûrement. On lève l'ancre. Oh, le beau coucher de soleil. Magnifique. Un peu de lecture.
Et non, le mec, il s'est foutu à poil direct. Ouais, il a ramené des gonzesses en plus. Ah non, tout seul. Ok. Bah, tu peux te faire des petits biens tout seul de temps en temps aussi, c'est bien aussi. Allez, bonne nuit, les gars. Oh! Quel est ce bruit? Ah ouais, bien! Je vais me retrouver tout seul si tout le monde meurt, par contre. Ah, laissez-moi! Je viens de me réveiller, les gars, calmez-vous! Allez, c'est parti pour la bataille. Par contre, ouais, j'ai Quen. Meurs, toi. Niveau 15, relativement facile. Toi, tu meurs, j'ai dit. Par contre, ouais, hop là! Ah oui, ils sont tous contre moi, d'accord. Ah ouais, mais mes camarades sont tous morts. Hein. Oh, calmez-vous, j'ai dit, calmez-vous. Oh, je me prends des flèches de partout. Attendez, on va se débarrasser. Allez, poussez-vous. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas eu le temps de tuer les archers. Ok, le petit bateau des pirates se barre, mais on s'en fout un peu. Ah, moi, on peut sauter dessus. Ouais, vas-y, saute dessus. Vas-y, on y va. De toute façon, je peux pas contrôler un bateau. Aïe, oh, ma tête. Quelques heures plus tard. Eh ben, ce fut dangereux. Hein. Le sorceleur qui a failli mourir contre des pirates. Bonjour. Je suis mort. Me touche pas, je suis mort. Eh, pas touche! Dégage. Va-t'en! Casse-toi! Je suis immortel! Un loup! Oh fuck! Dégagez. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Ah non, il est avec lui, le loup? Ouais, il a dompté un loup. Vous êtes du clan Ancrate? Mais comment je sais ça, moi? Ça vous arrive souvent de faire les poches des cadavres. Je suis un homme des îles, étranger. Je ne sème pas, je ne récolte pas. C'est la mer qui m'apporte ma moisson. Ah, et avec les pirates, tu dois te faire les couilles en or. C'est sur l'Atropos, hein. Ça? C'est ça. Je croyais que le capitaine avait un accord avec vous. Avec nous? C'est qui? Il avait peut-être un accord avec Lugos, mais pas avec Kra. Tant pis pour moi. Les navires étrangers ne sont pas les bienvenus dans le coin. Et vous? Vous venez chercher quoi ici? Une jeune fille. Je dois rencontrer une sorcière. Ah bah ouais aussi. Yennefer devait. Ah oui, c'est vrai qu'on va retrouver Yennefer, effectivement. Elle était sur Artskellig. Il y a une sorcière, Gertrold, sur le toit de Krar. Peut-être elle. Ah, très bien. Vous ne l'aimez pas? Vous n'avez pas l'air de la porter dans votre cœur. La sorcière, hein. On peut dire ça, ouais. Les gens disent que Krar lui mange dans la main, cette sorcière. Donne des ordres à tout le monde, comme si on était ses larbins. Bref, c'est... Ouais, c'est Yennefer, ouais, c'est ça. Vous l'avez vue? Vous pourriez me la décrire? Ouais. Elle s'habille toujours... C'est carrément elle. On dirait une orque. Mais avec des seins. Avec des seins. Pas mal. D'ailleurs, même ceux qui la reliquent la balanceraient bien à la mer. Non, je vais pas lui rectifier le portrait, on s'en fout. Il faut la connaître, c'est tout. C'est vous le dites, là. Moi, je vais aller chez Krak, alors. Merci, l'ami. On se barre? Vous savez comment aller à Kertrold? Pas du tout. Je devrais trouver, oui. Allez au nord. Ah bon? Il prenait à l'est vers la baie jusqu'à atteindre le pont. Le Jarl est du côté du port aujourd'hui. Votre magicienne est sûrement là. Non, mais j'ai dit que je devrais trouver. Pas obligé de m'indiquer Merci. Le chemin. Au revoir. Ouais. Encore vous. Ah, les racines, quoi. C'est Ablette. Non. Ablette a survécu aussi. Je veux savoir où je suis tombé. Non mais c'est surtout que je viens de ratterrir en fait. Donc je peux pas tout faire, me mettre déjà barré. On va prendre le petit coffre qui est ici. Hop. Voilà, on prend tout ça. Ça peut servir. Ah, une petite épée. Tac, 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 tac. Le cadavre? Non. On fouille pas les cadavres, hein. Moi, je suis pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? Cueillir. Ah, de la mousse. Ok, très bien.
Donc là, on a un petit coffre encore. Une hachette magnifique. On adore ça. Et du coup, allons-nous-en. Allons voir Yennefer. Rendez-vous au port. Une pomme. Je prends la pomme. C'est peut-être une pomme empoisonnée. Allons-y. C'est pas par là. Ah oui, mais je suis obligé. Ok, très bien. On va suivre le GPS. Hein, il sait mieux que moi. C'est pour te dire, hein, jeune ami, tu n'avais pas besoin de me dire le chemin. J'ai un GPS. Et nous arrivons à Carrefour. Génial. Magnifique. On va faire les courses. C'est notre ami, ça, ou c'est un loup C'est notre ami. Très bien. Salut tout le monde. J'ai vu votre ami plus loin. Oh putain, mais c'est des putains de vikings. Wow. Allez. Allez. On s'en fout. Donc là-bas, hop là, des bandits. Eh, ils sont niveau 14, ils sont pas mal. Hein. Bon, on va suivre le chemin, c'est par là de toute façon. Poussez-vous. Ah. Je suis coincé par des barrières qui sont plus basses que mes jambes. Et ça? Oh putain de cheval de merde. Ça m'énerve quand ça fait ça. Ah, allez. Mais ça, c'est pas haut. T'as juste à enjamber. Il y a un arbre qui me coince. Je suis bloqué de partout. On va faire le tour. Ça sera plus simple. Et c'est par là, en bas. Voilà. Direction le port. Allez, je te dépasse, le loot. Rageuse. Voici le port, alors. C'est pas du tout par là, c'est par là-bas. 90 pas, allez, on y va à pied. Trop fast. Ah, il s'appelle Trop Fast. On a son nom. On s'en fout complètement. Je ne vois rien. La lumière m'éblouit. Il y a une quête, là. On s'en fout, mais je veux la prendre. Salut. Pardonnez-moi, mais je n'ai vraiment pas le choix. Qu'y a-t-il ? Mon bateau s'est écrasé sur la côte pendant la dernière tempête. J'ai tout perdu. Ah, comme moi ! Et comment puis-je vous aider ? Je n'ai même plus assez d'argent pour rentrer chez moi. Et mon maigre pécule diminue chaque jour un peu plus. Et alors ? Vous voulez de l'argent ? Surprise. Que me demandez-vous au juste ? Un prêt ou la charité ? Je vous rembourserai jusqu'au dernier sou, soyez-en sûr. Vous n'avez qu'à vous présenter chez moi à Novigrad. On lui fait confiance ou pas ? Bon allez, faisons-lui confiance. D'accord. De toute façon, je te retrouverai et je te tuerai si tu ne me donnes pas cet argent. Je viendrai vous rendre une petite visite. T'habites où, en fait ? Merci. Je m'appelle Johan Bonheur. Vous me trouverez dans le quartier du port. Très bien. À plus tard. Ciao. Bon voilà, on a donné la charité, on est gentil, hein. Hein, que je suis gentil ? Ben oui, je suis gentil. Allez, c'est parti. Il est où, le Jarl ? Poussez-vous, je dois parler au Jarl ! Dégage. Je suis pas sûr de pouvoir lui parler dans ces conditions. Je crois qu'il va y avoir un problème. Ah non, le Jarl est là-haut, ça va. C'est pas le Jarl qui est mort. Le Jarl ou la Jarl ? Ah. Oh, très joli d'ailleurs. Il y a des taches sur ma caméra. Elle aussi très jolie, mais elle a un long nez. Vous pouvez encore renoncer. Renoncer à quoi ? Mais ma décision est prise. Non, elle est pas jolie, elle. Pas du tout. Excusez-moi de ce mauvais jugement. Salut, c'est moi. Ah, j'ai l'air de connaître ce vieux schnock. Elle est sérieuse, là ? What ? Elle est si jeune. Quelle folie. C'est Birna qui devrait y aller. Elle a partagé sa couche plus longtemps. Silence. Ah d'accord, c'est la femme de cet homme, donc elle veut l'accompagner dans la mort. Ok, très bien. Je comprends, je comprends. Si je meurs, j'espère que ma femme en fera de même.
Complètement dégueulasse. Meurs. On va l'entendre crier, dégueulasse. Elle vise bien, toi. Hein. Merde, raté. On recommence. Ah non, du premier coup. Saute dans l'eau. Triste cérémonie. Et je suis pas là pour ça, en fait. Ah, Yennefer, bah tiens. Qui voilà. Salut. Tu es magnifique. Quoi? Ah ouais, direct, le mec il est cache. Hein. C'est bon de te revoir. Bon, on va... Non? Ok. L'éloge commence. Le roi Bran du clan Tuircer a embarqué pour son dernier voyage. Ah oui, c'est bien le roi qui est mort. L'attendent sur l'autre rive pour chasser et piller jusqu'à la fin du temps. Au Valhalla. Ensemble, ah, je l'ai dit, c'est des putains de vikings. Ils chanteront les prouesses des âges passés. Sale griffure. Bran, putain, mais c'est des putains de guerriers. Ouais. Il y en a un, il lui manque un œil, l'autre, il a une griffure de fou. Côté. Il y en a un, il a des cicatrices. Ah non, ça c'est moi. Ce jour-là sera un beau jour. Ouais, ouais, moi je la drague, j'en ai rien à foutre. Ton parfum est enivrant. Geralt, le moment. J'en ai rien à foutre, je drague dans toutes circonstances. Les clans sont l'âme de Skelly. En temps de guerre, la tradition veut que les clans s'unissent sous la bannière de leur roi. Bran a quitté ce monde. Il est temps pour nous de choisir son successeur, celui qui pourra vaincre les escadrons noirs. C'est moi ? Les portes de Kaer Trold sont ouvertes à tous les amis de Bran, du clan Tuircer. Une place les attend à notre table. Pendant la veillée, les prétendants à la couronne se feront connaître. Oh, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Oh, je vais pas y aller. Oh, je vais pas y aller. Je ne t'ai pas vu depuis 2 ans. Je veux une petite cabane isolée. En bord de mer, et passer une semaine avec toi. Ouais, parce que j'ai tout mon temps, hein, évidemment. Et que ferait-on pendant une semaine? J'ai tout un tas d'idées. Celle qui implique la corde dont tu te sers pour accrocher tes trophées me plaît beaucoup. Tu lis dans mes pensées? En effet, et j'aime beaucoup ce que je vois. Oh! Bah, ce fut facile, hein. Bon, j'ai déjà un certain passé avec elle, donc c'est pas non plus super dur, mais... J'ai pécho, les gars, j'ai pécho. As-tu découvert quelque chose à Vélène? Ouais, quelques trucs, 2-3 merdes. J'ai fait route jusqu'à Vélène. Plutôt sordide comme région. Je ne sais pas trop comment, mais Ciri a atterri là-bas, blessé, dans le château d'un soi-disant baron. Blessé? Rien de grave, j'espère. Non, ça va. Je ne crois pas. Elle a dû se rétablir, parce qu'elle a ensuite repris la route pour Novigrad. Je crois qu'elle te cherchait. Avant ça, elle a eu maille à partir avec 3 sorcières. Par chance, elle a réussi à leur échapper. Des sorcières? Plutôt des monstres. En tout cas, je suis sûr d'une chose. Oui, elles étaient pas aussi jolies que toi, ça c'est sûr. Ah, le bateau il revient, d'accord. Vieille amie à toi, Vélène. Très bien. Kaera. Rebonjour. Kaera Mess ? Que fait-elle dans ce trou perdu ? Elle se cache des chasseurs de sorcières. Elle m'a dit avoir rencontré un mage elfe qui cherchait Ciri, lui aussi. Bon, tu me raconteras ça en détail quand nous aurons plus de temps. Ah, pourquoi on n'a pas le temps ? D'accord, bah du coup, parle-moi, Toura, de ce que t'as trouvé. Je suis allé à Novigrad. Ciri y était passé avant moi. Ah non, mais non, je suis con. Novigrad, c'est en dessous de Vélène. Une malédiction. Tu en es sûr? Jaskier m'a assuré qu'elle avait quitté la ville. Tu as parlé d'une malédiction? Oui, mais je n'en sais pas plus. Elle a eu des ennuis et elle a dû quitter la ville. J'ai retrouvé un phylactère. Elle cherchait un moyen de l'enchanter. Je l'examinerai plus tard.
Très bien. Et du coup, toi, t'as trouvé quelque chose? Et toi? Parce que j'aimerais bien savoir ce que t'as trouvé. Ah oui, je l'ai trouvé, elle est à côté de chez moi. Un désastre a provoqué une explosion d'énergie magique. Une sorte d'anomalie naturelle. Je n'avais jamais rien vu de tel. Ok, ce qu'il veut dire? Mon intuition me dit que Ciri en est la cause. Ah, très bien. J'ai beaucoup de respect pour ton intuition, Yen. Mais il nous faudrait des preuves concrètes. On s'en fout, on veut la retrouver. Si j'avais pu accéder au site. Mais Sakasuri et ses druides ne laissent personne approcher de la zone de la catastrophe. Ah, c'est bon, j'irai leur parler. Sakasuri. Je sais pas qui est Sakasuri. Cercle de Skellige. Je ne l'ai pas vu depuis... Depuis que Ciri était enfant. N'attends pas la moindre faveur de sa part. Il a bien changé. D'accord. Pourquoi Sakasuri refuse-t-il de te laisser approcher de la zone du désastre? Sakasuri et moi avons, comment dire, une divergence d'opinion. Regarde, voilà Krark. Ah, loup blanc. Salut Krark. Bonjour Krark. Krark. On se verra à la veillée, d'accord? Et pas question de vous défiler. Je dois vous parler d'un sujet. Non, s'il te plaît. Non, mais on a aussi un truc important à faire, en fait, on est... Tant pis pour notre cabane isolée. Fuck. Raran Krait est un homme influent. Nous avons besoin de lui. Je serai habillée en noir et blanc au banquet. Non, sans blague. Je compte sur toi pour porter une tenue un peu plus élégante que celle-ci. Un bain ne te ferait pas de mal non plus. Bon, y a la mer à côté. Tu sais bien que je ne supporte pas de porter un pourpoint neuf. Ce n'est pas confortable. Ah, on croirait entendre Krar. Pas d'excuses qui tiennent, Geralt. Nous ne sommes pas ici pour le plaisir. Nous avons un problème urgent à résoudre et la situation exige une tenue appropriée. J'ai loué une chambre à l'auberge. Tu y trouveras des vêtements propres. Va choisir ta tenue. Je dois m'occuper de quelque chose. Retrouve-moi à l'entrée de la salle du banquet. Oh là là, mais quelle casse-couille! Soit, très bien. Retrouvez Yennefer à l'entrée du donjon. Et du coup, à l'entrée du donjon, ok. Oh, nous allons rencontrer Bran. Et du coup, c'est ici qu'on va se laisser parce que, évidemment, 20 minutes sont déjà écoulées et c'est la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Bisous à tous. Bye bye.